vraiment c'est un bonheur de travailler avec des copains à nous, justement, voilà, de partager cette chose qu'est la musique. C'est absolument incroyable. Il y a une énergie justement qui vient de la jeunesse et un partage vraiment palpable. On s'attaque à une symphonie qui n'est pas facile. On commence vraiment les gros répertoires d'orchestre et vu le résultat, c'est un bonheur. Sur le plan musical, c'est bien parce que c'est quand même bien organisé. C'est une longue semaine, donc tout le monde a le temps de vraiment prendre ses marques et tout ça. Nous, ça nous permet de bosser vraiment en profondeur tous les traits qu'on a à faire, le moindre truc, vraiment aller dans les moindres petits détails et tout ça. Ensuite, sur le plan professionnel, quand on est dans un orchestre comme ça, ça nous prépare vraiment au monde professionnel. On sait pourquoi on fait des études et on se dit mais c'est vraiment pour ça que j'ai envie de faire de la musique, quoi. C'est d'être avec autant de monde, avoir un chef et puis avoir toutes ces couleurs à côté, être vraiment dans le son, quoi, qu'on donne après au public dans la musique, quoi. Je suis étudiant à l'HM de Genève, je suis d'origine brésilienne. J'espère finir mon master, peut-être enchaîner avec un autre, mais ailleurs, en Europe, et rentrer dans mon pays. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire là-bas. La culture et la musique, c'est pas tout à fait dans la même échelle de valeur que la musique classique en Europe, donc je pense que je peux apporter beaucoup à mon pays. Il a une très très bonne ambiance dans l'orchestre, je pense que les jeunes sont prêts à jouer, ils se sentent quand même à l'aise. On bosse assez bien pour arriver à un certain niveau d'exigence que Pierre il nous impose. Je pense que ça va être très très beau, ça va être très joli.